Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 14 août 2019, 15h37 du Québec. Heureux de vous retrouver tous, de plus en plus nombreux. C'est vraiment très apprécié. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. On va aller justement en, en voir un qui est très intéressant. Ça va vous intéresser. On est le 14 août 2019, 15h37. Puis on s'en va voir ça tout de suite. On ne perd pas un instant. Les scientifiques prouvent que l'ADN peut être reprogrammé par nos propres mots. Les scientifiques russes prouvent que l'ADN peut être reprogrammé uniquement par nos mots et d'autres fréquences extérieures. La recherche scientifique russe explique que les phénomènes surnaturels euh, humains, tels que la clairvoyance, l'intuition, les actes de guérison spontanés et lointains, l'autoguérison, les techniques d'affirmation, les lumières et les oreilles inhabituelles autour des gens, notamment les mains spirituelles, l'influence de l'esprit sur les modèles météorologiques et beaucoup plus, en, en outre, il existe des preuves d'un tout nouveau type de médecine dans lequel l'ADN peut être influencé et reprogrammé par des mots et des fréquences sans couper et remplacer des gènes isolés. Seulement 10% de notre ADN est utilisé pour fabriquer des protéines. C'est ce sous-ensemble d'ADN qui intéresse les chercheurs occidentaux et qui fait l'objet d'un examen et d'une catégorisation. Les 90% restants sont considérés comme de l'ADN poubelle. Les chercheurs russes convaincus que la nature n'est pas muette. Se sont joints aux linguistes et aux généticiens pour explorer ces 90% d'ADN poubelle. Leurs résultats, leurs constatations et leurs conclusions sont tout simplement révolutionnaires. Selon eux, notre ADN n'est pas seulement responsable de la construction de notre corps il sert aussi de stockage de données et de communication. Les linguistes russes ont constaté que le code génétique, en particulier dans les 90% apparemment inutiles, suit les mêmes règles que, toute notre, que toutes nos langues humaines. À cette fin, ils ont comparé les règles de syntaxe, la façon dont les mots sont assemblés pour former des phrases et des phrases de sémantique, l'étude du sens dans les formes linguistiques, et les règles grammaticales de base. Ils ont découvert que les alcalins de notre ADN suivent une grammaire régulière et ont établi des règles tout comme nos langues. Les langues humaines ne sont donc pas apparues par hasard, mais sont l'effet de notre... imaginez-vous, ADN inhérent. Le biophysicien et biologiste moléculaire russe... Euh, Pshtor Gardjadjev, j'imagine, excusez la prononciation, et ses collègues ont également étudié le comportement vibratoire de l'ADN. L'essentiel, c'est que les chromosomes vivants fonctionnent comme des ordinateurs silotoniques holographiques utilisant le rayonnement laser euh, endogène de l'ADN. Cela signifie qu'ils sont parvenus, par exemple, à moduler certains modèles de fréquences, un rayon laser, et ont ainsi influencé la fréquence de l'ADN et donc l'information génétique elle-même. Étant donné que la structure de base des paires ADN alcaline et du langage est de la même structure, aucun décodage d'ADN n'est nécessaire. On peut simplement utiliser des mots et des phrases du langage humain. C'est aussi euh, cela a aussi été prouvé expérimentalement. La substance, la substance pardon, vivante de l'ADN dans les tissus vivants, pas in vitro, réagit toujours aux rayons laser modulés par la langue et même aux ondes radio si les fréquences appropriées sont utilisées. Ceci explique enfin et scientifiquement pourquoi les affirmations, l'entraînement autogène, l'hypnose, la médiation, la prière et d'autres formes de focus peuvent avoir des effets si forts sur les humains et leur corps. Il est toutefois normal et naturel que notre ADN réagisse au langage. Alors que les chercheurs occidentaux coupent des gènes isolés, des brins d'ADN et les insèrent ailleurs, les Russes ont travaillé avec enthousiasme sur les, des dispositifs qui peuvent influencer le métabolisme cellulaire par des fréquences radio et lumineuses modulées appropriés et ainsi réparer des défauts génétiques. Wow Le groupe de recherche de Gard-Jadjev a réussi à prouver qu'avec cette méthode, les chromosomes endommagés par les rayons X, par exemple, peuvent être réparés. Ils ont même capturé des modèles d'information d'un ADN particulier et l'ont transmis à un autre, reprogrammant ainsi des cellules à un autre génome. Ils ont donc réussi à transformer, par exemple, des embryons de grenouilles en embryons de salamandre simplement en transmettant les profils d'informations génétiques. Les enseignants ésotériques et spirituels savent depuis des siècles que notre corps est programmable, programmable par le langage, les mots et la pensée. Cela a maintenant été scientifiquement prouvé et expliqué. Bien sûr, la fréquence doit être correcte, et c'est pourquoi tout le monde n'a pas la le même succès ou ne peut pas faire euh, le, euh, le faire avec toujours la même force. La personne individuelle doit travailler sur les processus internes et la maturité afin d'établir une communication consciente avec L'ADN. Les chercheurs russes travaillent sur une méthode qui ne dépend pas de ces facteurs, mais qui fonctionnera toujours à condition d'utiliser la bonne fréquence. Dans la nature, l'hypercommunication est appliquée avec succès depuis des millions d'années. Le flux organisé de la vie dans les états d'insectes le prouve de façon dramatique. L'homme moderne ne le connaît qu'à un niveau beaucoup plus subtil, celui de l'intuition, mais nous aussi, nous pouvons l'utiliser à, à niveau pleinement. Un exemple de nature, lorsqu'une reine fournie est spatialement séparée de sa colonie, la construction se poursuit toujours avec ferveur et selon le plan, si la reine est tuée cependant, tout travail dans la colonie s'arrête. Aucune fourmi, euh, fourmi ne saurait quoi faire. Apparemment, la reine envoie les plans de construction aussi euh, loin, de loin, via la conscience de groupes de ses sujets. Elle peut aussi loin qu'elle le, qu le veut, aussi longtemps qu'elle est en vie. Chez l'homme, l'hypercommunication se rencontre le plus souvent lorsqu'une personne accède soudainement à des informations qui ne font pas partie de sa base de connaissances. Cette hypercommunication est alors vécue comme une inspiration ou une intuition. Le compositeur italien Giuseppe Tartini, par exemple, a rêvé un soir qu'un diable jouait du violon à son chevet le lendemain matin. Tartani a pu noter la pièce exactement de mémoire et il l'appelait la sonate de tri du Diable. Et dans le livre Vernetz Intelligence, Intelligence du réseau, euh, Grazina Gozer et M. Bludorf expliquent ces liens avec précision et clarté. Les auteurs, c'est également des sources qui supposent que dans le passé, l'humanité avait été, tout comme les animaux, très fortement liée à la conscience de groupe et agissait en tant que groupe pour développer et expérimenter l'individualité, nous les humains avons dû oublier presque complètement l'hypercommunication. Maintenant que nous sommes assez stables dans notre conscience individuelle, nous pouvons créer une nouvelle force ou une nouvelle forme de conscience de groupe, c'est-à-dire une forme dans laquelle nous accédons à toutes les informations via notre ADN sans être forcés ou contrôlés à distance sur ce que nous devons faire de ces informations. Nous savons maintenant que tout comme sur internet, notre ADN Peut introduire ses propres données dans le réseau, appeler les données du réseau et établir des contacts avec d'autres participants du réseau. La télémédecine, la télépathie et la télédétection sur l'état des proches, etc., peuvent ainsi être expliqués. Certains animaux savent aussi de loin quand leur propriétaire prévoit de rentrer chez eux. Cela peut être franchement ou fraîchement interprété et expliqué par les concepts de conscience de groupe et d'hypercommunication. Toute conscience collective ne peut être utilisée de façon sensée sur une période de temps quelconque sans une individualité distincte. Sinon, nous reviendrions à un instinct de troupeau primitif qui est facilement manipulable. L'hypercommunication dans le nouveau millénaire a un tout, un tout autre sens. Les chercheurs pensent que, si, pensent que si les humains, avec une pleine individualité, retrouvaient la conscience de groupe, ils auraient un pouvoir divin pour créer, modifier et façonner les choses sur Terre. De plus en plus d'enfants clairvoyants naissent. Quelque chose chez ces enfants s'efforce de plus en plus vers la conscience de groupe du nouveau genre et elle ne sera plus supprimée. Quand un grand nombre de personnes se réunissent par la prière ou la méditation, tous ou toutes se concentrent sur le même résultat et nous pouvons changer le monde. Le concept selon lequel nous changeons notre propre ADN par nos paroles et nos vibrations est maintenant un fait connu. Nous obtenons une mise à niveau. Toutes les informations sont tirées du fameux livre Patati Patata. Je vais vous laisser ce lien-là qui est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose de fascinant. Puis je vous... Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Je peux vous dire qu'on a tous nos expériences hein, euh, supranaturelles, Notre, euh, nos inspirations, nos illuminations, nos moments de déjà-vu et toutes sortes de, de, de phénomènes très étranges. La vie est très étrange. La vie de l'humain est encore plus étrange. Je vous reviens.